Parlons maintenant de l'hypothalamus. Il s'agit de deux lobes situés de chaque côté du thalamus qui se rejoignent pour former la glande pituitaire. En descendant à travers le plan transversal, pouvez-vous voir cette forme en X? C'est le chiasma optique, et juste en dessous de celui-ci se trouve la glande pituitaire. Voilà, c'est tout. Si nous regardons notre image sagittale, la voici. Maintenant, cherchons la connexion entre cela et le thalamus, c'est-à-dire l'hypothalamus. Nous déplaçons juste quelques tranches. Le voilà. C'est assez flou, mais l'hypothalamus relie la glande pituitaire au thalamus, qui se trouve sous le fornix, relié au corps calleux par le septum pellucidum.